Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Le programme continue. Programme de la grâce. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Il nous donne encore ce privilège d'être là ce soir. Amen. Et de pouvoir prêcher sa parole. Amen. Je dis bonsoir à tous les frères qui sont venus, qui se sont rajoutés. Que Dieu les bénisse. C'est ensemble qu'on remporte des victoires. Et je crois que ce soir, on est ensemble. Alléluia. Pourquoi elle continue? Parce que Dieu a voulu te parler ce soir. N'oublie jamais ce que je vais te dire. Chaque décision que tu prendras, c'est toujours Dieu qui aura le dernier mot. Et ce soir, si on est là, c'est parce qu'il a le dernier mot. Amen. Et vous savez, quand Dieu parle, il se passe toujours quelque chose. C'est vrai. Peu importe ce qu'on comprend ou ce qu'on réalise dans nos cœurs, c'est lui qui a le dernier mot. Amen. Et il a la solution pour nous. Alors moi, je crois ce soir, amen, qu'à travers la parole de Dieu va nous parler. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 On est dans le seul endroit, alléluia, où les choses peuvent changer. Et ce soir, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors on va lire un verset dans la parole de Dieu. Et on va prier le Seigneur, alléluia, avec un serviteur de Dieu. On va lire dans Luc 5. Amen. Écoutez ce qu'il est dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Galilée, et que là le peuple se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Une autre version dit « réparer ». Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit de la barque et l'enseigna le peuple. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon « Avance en plein eau ». Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque à venir les aider. Ils virent et rempliront les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis qu'un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. » On prie le Seigneur ensemble. On prie avec le Père Apaco. Avant que te louer, Seigneur, te rendre gloire. Merci pour le déroulement de la réunion, Seigneur. Amen. Merci pour les chants, les cantiques qu'il y a eu. Amen. Mais Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est ta parole, Seigneur. Amen. Amen. Nous cherchons, Seigneur, à nous en sortir. Et tu es le seul, Seigneur, qui puisse nous faire sortir de ce lieu. Seigneur, viens bénir nos cœurs, Seigneur, ce soir, à travers ton serviteur. Parle-nous, Seigneur, reprends-nous, s'il le faut, amen. Et que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Gloire à Dieu. Selon le récit de la parole de Dieu, et selon l'histoire expliquée, la Bible dit qu'un soir avant, Pierre prend sa barque, son filet, et il prend avec lui des amis et une autre barque. Et ils vont sur le lac de Galilée. Pourquoi qu'ils y vont le soir? Parce qu'en Israël, le soir sur les lacs, la Bible dit que les poissons montent à la surface. Et la journée part en profondeur. Ça veut dire que pour un pêcheur, aller le soir, c'est facile. Puisque les poissons sont à la surface et on peut voir même les reflets.
Alors ils ne sont pas plus blagues qu'un autre, ils y vont le soir, puisque c'est facile. Alors ils vont ramer, ils vont arriver sur le lac, ce grand lac. Moi j'ai été pendant 10 ans en Israël. Et je connais ce lac et les frères ont été. On a même fait une réunion sur le lac de Galilée, sur le bateau. C'est un grand lac. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Décider, c'est un pêcheur. Il prend son filet, peut-être 6 mètres de long, 4 mètres de large, et il va commencer à le jeter. Et quand il va le jeter, alors il va tirer. Et quand il tire, il n'y a rien à l'intérieur. Alors il le jette 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un pêcheur. 5 fois, 6 fois. Mais quand il tire, il n'y a rien à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne perd pas courage. Il rame et il avance. C'est en pleine nuit. Il encourage l'autre barque à jeter aussi les filets, certainement. Mais quand il jette son filet pendant 2 heures, 3 heures, il tire le filet, il n'y a rien. Alors certainement, il a dû se poser des questions. Il se dit, mais le lac, là, il est rempli de poissons. Qu'est-ce qui se passe? Alors il va jeter encore le filet pendant 4 heures, pendant 5 heures. Et quand il tire le filet, des algues, des pierres, des morceaux de fer, des choses qu'il n'attend pas. Il a dû se dire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et Pierre redoute une chose. C'est que le ciel va s'ouvrir. Le soleil va venir. Et tout ce qui était facile va devenir difficile. Parce que dès que le ciel s'ouvre, tous les poissons partent en profondeur. Et selon la parole de Dieu, c'est lui qui dit à Jésus, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et dans une nuit, il y a 12 heures. Pierre est en train de dire à Jésus, j'ai jeté le filet pendant 12 heures. Et le lac n'a rien. Alors le ciel s'ouvre. Le soleil est là. Et le filet est vide. Alors je le vois devant moi, il n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il était sûr que tout allait bien. Il était sûr de cette soirée. Il était sûr qu'il allait prendre. Mais ce soir-là, tout était contre lui. Alors certainement, il prend le filet et puis le jette. Et puis en train de ramer, une boule d'angoisse ici. Des nerfs plein le cœur. Et il commence à ramer. Et quand il rame, il arrive sur la rive et il met les 2 barques au sec. Et il descend de la barque. Et quand il descend, il commence à laver leur filet. Alors c'est pas la Bible qui dit c'est moi, c'est une pensée. Il a enlevé les algues, il a enlevé les fers, et il a dû se dire, je dois être maudit. Je dois être poisseux. De toute façon, ma vie à moi, elle n'est pas normale. J'y vais quand c'est facile et tout est difficile. J'y vais quand tout le monde prend et moi, mon filet, il est vide. Pourquoi ma vie, elle est comme ça? Pourquoi ma vie à moi? Et pendant qu'il se posait les 1000 questions sur sa vie, lui ne le sait pas. Mais juste à côté de lui, Jésus fait une réunion. Et la Bible dit ça. Jésus vit 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Lui, il n'a pas vu Jésus, mais Jésus l'a vu. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus arrive, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, il y a 2 barques. Pourquoi tu montes dans celle de Pierre? Et Jésus me répond dans mon cœur, je sais ce qu'il a vécu hier soir. Je sais ce qu'il a passé hier. Alors je monte dans sa barque à lui. Amen, gloire à Dieu. Et là, Jésus monte dans sa barque. Alors je ne sais pas vous. T'as pas dormi de la nuit. Tout était contre toi. T'as pas mangé un bout de pain. Et il y a un homme avec une barbe, il rentre dans ta barque et il te dit, éloigne-toi de la terre.
envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Déjà, ça va pas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais quand le Créateur parle avec la créature, le silence est total. Il réalise que dans sa barque, il y a le Créateur de toutes choses. Celui qui a dit un mot et les anges ont existé. Celui qui a dit un mot, le ciel et la terre a existé. Celui qui a pris les étoiles dans sa main et les a jetées dans le firmament. Une étoile, c'est 7 fois la terre. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a créé les arbres, la nature, les poissons et tous les animaux de la terre. Il était dans sa barque en train de prêcher. Et pendant qu'il prêche, Pierre ne le sait pas. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'en écoutant Jésus prêcher, son cœur est touché par la parole de Dieu, et une lueur d'espoir naît dans son cœur. Et quand cette lueur d'espoir est née dans son cœur, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Maintenant, Simon, avance en plein eau. Et jetez vos filets pour pêcher. » Mais quand il lui dit ça, il se rappelle des 12 heures qu'ils ont été inutiles. Et il dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça ne sert à rien. Tu sais pas que sur le lac, il faut venir le soir. La journée, tu peux pas. C'est compliqué. » Il a dû répondre. Mais dans le message, vous savez ce qu'il a compris, bien? Hier soir, tu étais sans moi. Aujourd'hui, tu es avec moi. Amen. Et tout ce qui est difficile pour toi est facile pour moi. Amen. Et c'est là qu'il dit, si c'est de moi, je ne le fais pas. Mais sur ta parole, je jetterai. Et pendant que Pierre et Jésus se parlent et que Pierre a le filet à la main, je vais vous dire une histoire, c'est pas dans la Bible. C'est tout au fond du lac du Galilée. Et là, il y a tous les poissons qui lèvent la tête et qui disent, regardez, c'est Pierre, insupportable qu'il est. Il est venu nous chercher encore. Allons-nous-en. Et là, tu as tous les poissons qui partent. Et il y en a un qui crie, dit, arrêtez. Revenez vite. C'est pas Pierre qui nous appelle. C'est notre Créateur. Psaume 33, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Et tous les poissons du lac rentrent dans le filet. À un tel point que la Bible dit, alléluia, que Pierre ne peut plus tirer le filet, tellement qu'il y en a. Quelle différence entre le cerveau d'un homme et la bénédiction de Dieu. Quelle différence entre l'effort d'un homme et le miracle de Dieu. À un tel point, regardez ce qu'il est obligé de faire, Pierre. Il n'arrive pas à tirer. Il est obligé de faire ça. Mais ça, ça n'existe pas en pleine journée. Fallait le faire hier soir. Mais là, en pleine journée, c'est impossible au monde. L'autre barque, elle n'arrive pas à croire. En voulant dire, t'as pris en pleine journée, ça n'existe pas. Alors il fait un signe. Et la Bible dit que quand l'autre barque allait arriver, ils ont rempli les 2 barques à un tel point que les 2 barques s'enfoncent dans le lac. Ça a du poids à l'évangile. Hein? Amen. Tant qu'il n'était pas là, les barques étaient légères. Quand il est venu, il s'enfonçait. Amen. Ça a du poids, hein, un foyer où l'évangile il y est. Amen. Ça a du poids, un ministère où Christ il y est. Amen. Ça a du poids, alléluia, ça a du poids. Amen. Amen. C'est pas léger. C'est pas léger du tout. Et dans mon cœur, je dis, Seigneur, que tu remplis la barque où tu es. Je comprends. Mais que tu remplis la barque que tu n'es pas, je comprends pas. Et là, Dieu me dit dans mon cœur, Abraham, commence à faire un petit signe à ta famille. Appelle les barques où je ne suis pas à l'intérieur. Je peux remplir leur vie. Amen. Commence à les appeler. Amen.
Comment s'appelle un petit signe? Appelle-les, appelle-les, appelle-les. Fais un petit signe. Commence à les appeler. Pourquoi, Seigneur? Je vais vous le dire. Vous me permettez une minute? Amen. Aujourd'hui, quand tu vas visiter, et tu dis alors ton foyer, ça va? Regardez les signes. Mon Dieu, laisse-moi tranquille. Fabien, tu meurs, hein, t'es enterré, tu vois plus rien. Regardez les signes de désolation. Ça va, tes enfants? Laisse-moi tranquille avec eux. Regardez les deux mains. Regardez les signes. Laisse tomber. Combien de fois tu l'as fait? Laisse tomber, ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire ça, hein? Pas du tout. Après, tu avais les signes, moi, quand j'étais dans le monde, et je dormais dans les parcs par la drogue, je partais des 7-8 jours. Et quand je rentrais, mon frère le plus vieux, quand il me voyait, c'était... Je repartais une semaine. Je dis, je rentre, je me fais tuer. Des signes, il n'y avait pas d'amour. Il n'y en avait pas. Après, tu as les petits signes sympathiques, alors ça, on les vit tous. Tu pars chiner, tu reviens dans l'après-midi, de loin, ta femme a fait ça. C'est ça, tu fais ça. Allez, restaurant, les commissions. C'était pas grand-chose, hein. Elle a fait ça, t'as fait ça, la journée a été faite. Mais il y a combien de temps que tu fais pas ça? Il y a combien de temps? Quand il vit cela, d'un homme qui réparait son filet, d'un homme qui s'en voulait à lui-même, il tomba aux genoux de Christ. Gloire à Dieu. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi. Éloigne-moi. Tu ne feras rien avec moi. Je suis un pécheur. Je suis un lunatique. Je suis un nerveux. Un jour, je suis gentil. Le lendemain, je veux tuer tout le monde. Éloigne-toi de moi. Ça ne sert à rien. Tu ne feras rien avec moi. Et là, Jésus le regarde. C'est ma pensée, hein. T'as jeté le filet pendant 12 heures pour prendre des poissons. Mais si toi t'es pasteur, tu vas prêcher toute la nuit pour sauver des âmes. T'as ramé pendant 12 heures pour prendre des petits poissons. Mais si toi t'es pasteur, tu vas parcourir les villes et les villages. Écoute-moi, de tes défauts et tes efforts, j'en fais des qualités. Suis-moi et je fais de toi un pécheur d'âme. Et il avait raison. Première prédication, 3000 ans. Amen. Deuxième prédication, 5000 ans. Amen. De ses défauts, il en avait fait des qualités. Amen. Quand Dieu choisit, alléluia, il choisit nos défauts pour en faire des qualités. Amen. Il choisit nos efforts du monde pour en faire des qualités pour lui. Oui, n'enterre pas ton appel en ministère. Dieu est capable de remiser sur toi. Amen. Parce qu'il t'appelle, il t'a choisi. Alors Abraham, dis-nous, qu'est-ce que tu veux nous dire? Elle est belle l'histoire. Et Pierre, c'est bien. Il y a 30 ans, j'écoute parler de Pierre. Mais moi, toi et moi, on a fait comme Pierre. On a pris notre petite barque qui est nos vies. Et on a pris nos filets qui sont nos cœurs. Et on s'est engagé dans ce monde. Et on s'est dit, on va se marier. Et on aura un bon foyer. On ira dans telle région et on va travailler. On va élever nos enfants du mieux qu'on peut. Et toi aussi, t'étais préparé comme Pierre. T'avais préparé ta petite vie au top. Et tu t'es engagé dans un monde où il donne. Ton cœur était préparé à recevoir. Ton cœur était préparé à vivre la paix. Mais toi aussi, et moi aussi, quand on a jeté notre cœur et qu'on a essayé de recevoir les choses les plus normales, tout était contre nous. Tu ne savais pas que tu allais divorcer. Tu ne savais pas que tu allais être jaloux. Tu ne savais pas que tu allais être malade des nerfs. Tu ne savais pas que tu allais avoir un contrôle fiscal et que tu allais tout perdre. Tu ne savais pas que ton père ne voulait plus te parler. Tu ne savais pas. Tu ne savais pas que tu allais avoir une fille dépressive. Un garçon pris par la drogue, tu ne le savais pas, t'étais pas préparé.
Alors à chaque fois que tu jetais le filet et que tu le tirais, il y avait toujours les mêmes choses à l'intérieur. Ta vieille vie, les vieux passions. Et peut-être qu'il y a longtemps tu jettes ton filet et t'attends un petit berceau, mais il n'y a rien. Tu jettes ton filet, tu veux la paix, mais il n'y a rien. T'as voulu le bonheur, mais il n'y a rien. Tu es le seul à être bon avec tout le monde. Mais tout le monde est contre toi. Et ça me blesse. Alors tu sais ce que t'as fait? T'as ramé jusqu'à cette église ce soir. Et t'as posé ta barque. Et t'as dit, j'en ai marre de la vie. Pourquoi mon foyer ça va pas? Pourquoi mon ministère ça va pas? Pourquoi j'arrive pas à me convertir? Pourquoi j'arrive pas à me baptiser? Pourquoi je suis pas délivré? Pourquoi? Et pendant que tu te demandais le pourquoi du comment, toi tu vois pas Jésus là. Mais Jésus te voit. Amen. Et ce soir il monte dans ta barque. Non! Il monte. Et tu remarques pas? Qu'on fait comme Pierre, on ne dit pas un mot. On ne dit pas un mot. Et ce soir, il te dit, éloigne-toi un petit peu de la terre. Pourquoi? Parce que c'est la terre qui te dit que tu es un drogué. C'est la terre qui te dit que tu es un alcoolique. C'est la terre qui te dit que tu ne changeras jamais. C'est la terre qui te dit, ôte-toi la vie. C'est la terre qui te dit abandonne, redonne les clés, paye une lettre, abandonne, dis à la mission que tu ne peux pas. C'est la terre. Alors Jésus dit, éloigne-toi de la terre, c'est moi qui vais te parler. Amen. Alléluia. Et ce soir, cette réunion, alléluia, c'est une grande barque. Et Jésus est à l'intérieur. Amen. Et il est venu te dire que ton échec va devenir une bénédiction. Amen. Il va te dire que ce soir ta vie va changer. Amen. Il va te dire ce que tu vois de loin, comme bien va venir tout près. Le baptême du Saint-Esprit, la repentance, alléluia, la nouvelle naissance, alléluia. Oui, ces choses-là peuvent venir tout près. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Mais ce soir, il fait comme Pierre, il a prêché. Mais maintenant, à toi, il te dit, avance en plein eau, héroïsé. Ah, tu vas avoir du répondant, hein, c'est sûr, comme Pierre. Et tu vas dire, mais j'ai essayé, Seigneur. J'arrive pas avec lui, on n'a pas de foyer. C'est inutile, j'ai été dans des centres. Pour me délivrer, j'arrive pas. T'as du répondant comme Pierre. Mais pendant que t'as du répondant, là, tu le vois pas. Mais il y a plein de bénédictions qui se sont entourées. Gloire à Dieu. Prêt à venir dans le filet de ton cœur. Si tu lui fais confiance, les choses vont changer ce soir. Amen. Mais est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que tu es prêt à reprendre le filet dans tes mains? Est-ce que tu es prêt à reprendre ton cœur dans les mains? Et dire, si c'est de moi, Seigneur, si c'est de moi, je brise mon foyer. Si c'est de moi, j'abandonne. Si c'est de moi, je ne change pas. Si c'est de moi, je ne me convertis pas. Mais parce que j'ai écouté ta parole. Sur ta parole, ce soir. Sur ta parole. Je vais jeter le filet. Mais est-ce que tu es prêt à lui faire confiance? Est-ce que c'est la vérité? Dis-le-moi! Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que tu veux essayer? Tu veux voir ce que c'est le poids de l'évangile dans ton foyer? Tu veux voir ce que c'est le poids de la présence de Dieu, pas le poids de l'angoisse? Où t'arrives même plus à te lever, t'arrives même plus à dormir. Tu vis parce que t'as des enfants, mais si c'est toi, tu te laisses mourir ce soir. Ce poids du monde qui écrase. Vous voulez pas plutôt le poids de l'évangile?
nos barques. Alléluia. Alléluia. Amen. T'as peut-être rempli de bijoux ta barque. T'as rempli ta barque de matériel. Mais c'est pas ça qui comble les cœurs. C'est la grâce de Dieu. Par exemple, dans la simplicité, je vous fais une petite confidence. Vous me permettez ? Imaginez-vous que Jésus vient le soir au moment où il pêche. Donc il pêche toute la nuit. Et que Jésus dit, viens, jette ton filet à droite. Vous savez ce qu'il aurait dit, Jésus ? Tu vas m'apprendre mon métier ? Ce qu'il aurait dit, Pierre, tu vas m'apprendre mon métier à moi ? Il y a des années que je viens là, Seigneur. Je connais le lac. Mais Jésus ne veut pas venir dans un moment où on sait tout et on connaît tout. Ne dégitons, nous. On connaît la vie. Vous savez quand est-ce que Jésus est venu ? Quand il avait la barque au sec et le filet vide. Et il y a deux choses que tu ne peux pas cacher à Dieu ce soir. Amen. Ta vie qui s'est arrêtée et ton cœur qui est vide. Ces deux choses, tu ne peux pas les cacher à Dieu. Alors il monte dans ta barque. Parce qu'il veut redonner la vie chez toi. Dans la simplicité ce soir. Qui voudrait réessayer? Qui voudrait lui faire confiance? Lève ta main. Moi je lève ma main. Dieu vous voit, allez-y, n'ayez pas peur, c'est dans la simplicité. Dieu vous voit, alléluia, Dieu vous voit. Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, alléluia. Est-ce que tu veux lui faire confiance? C'est la réalité. Alors les choses vont changer. Les choses vont changer. Parce que Dieu connaît ton cœur. Mes frères, mes sœurs, pendant un moment, il faudra être réaliste. Vous savez, quand la barque, elle est légère, on est capable de dire devant mon fils et ma belle-fille. Une mère qui a souffert toute sa vie avec son garçon et qui connaît son caractère et que la mère, elle a pleuré pendant des années et que le petit, il se marie. Et il se dispute avec sa femme parce que son caractère n'a pas changé. Et que t'écoutes la mer, que la barque est légère. Je t'avais dit de pas la prendre. Qu'elle allait nous faire la misère. Que c'est faux. Que c'est faux. Vous voulez voir ce que c'est une barque remplie? Regardez quand la barque elle est remplie. Ma belle-fille, dis-moi. Tu vois ce garçon-là? J'ai pleuré des années à cause de lui. Parce qu'il a un caractère dur. Alors écoute, ma fille. Si on prie à Dieu, ce garçon-là, il peut changer. Amen. Ça, c'est une barque. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, quand ta barque, elle est légère, elle peut voyager dans plusieurs églises. Hein? T'as vu ce qu'il a dit, le pasteur, ma femme? Non, allez, on va dans l'autre église maintenant. Mais on est bien là. Tu montes dans la barque, on va là-bas. Les barques légères. La légèreté. La légèreté. Une barque légère. Seigneur, aide-moi dans mon travail. T'as pas travaillé 5 jours, ça y est. Allô? Ouais, c'est compliqué. Tu veux pas qu'on se voit? Oui, oui, donne-moi ce qu'il faut, je vais vendre. C'est pas léger, ça? C'est pas léger, ça. Quand tu te tues pour gagner 1 000 euros par mois et que tu vois que en une heure, tu peux les faire. Mais quand t'es léger, alors t'es tenté à tout. La barque, elle est légère. Et quand t'es léger, alors t'es balancé, t'es promené, le vent, il souffle là-bas, tu vas là. C'est léger. C'est léger. Pas le droit à ton mari parler avec sa propre mère. Parce que t'as décidé que tu veux pas. Mais comment tu vas séparer une mère avec son fils? Mais c'est quoi cette légèreté? Allez où la compréhension? Écoutez,
Il y a une loi spirituelle, une loi morale à laquelle personne n'échappe. C'est la loi de Dieu. Amen. Je vous le dis en vérité. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Il faut que le poids de l'évangile revienne dans nos régions. Il faut que le poids de l'évangile revienne dans nos cœurs et dans nos vies. Il faut que les choses changent, mais il faut qu'ils rentrent dans la barrique. Alléluia. Amen. Il était le seul à dire, retourne à ton échec. Mes frères, je vous pose la question, vous me répondez dans la simplicité. Moi, je fais du porte-à-porte, je fais les langages. Il y a des quartiers, fournis, je ne fais rien. Je suis obligé de changer de quartier. Et c'est normal. Imagine-toi, tu as sonné pendant un mois dans un quartier, ton doigt, il a fait une bague en arrière, tu vois, tellement que tu as sonné. Tu n'as pas pris 10 francs. Et que je te dis, moi, on retourne. Tu sais ce que tu me dis? Laisse-moi tranquille, amen. J'y vais pas, moi, dans ce quartier. Pourquoi? Parce que tu n'as rien pris. Tu veux retourner dans un terrain où ton foyer allait se briser? Non. Tu veux retourner dans une place où tout allait se détruire? Non. On n'aime pas retourner à notre échec. Mais ça, c'était sans lui. Mais ce soir, il est avec toi. Amen. Et tout ce qui est difficile pour toi est facile pour lui. J'aimerais que les quelques personnes qui ont levé leurs mains, je voudrais que vous vous mettez debout un instant. Amen. Et je vais continuer l'appel. Lève. Si tu veux te rajouter, lève-toi. Maintenant. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi au nom du Seigneur. Lève-toi. Fais-lui confiance. Lève-toi. Lève-toi pour ton foyer. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour tes enfants. Lève-toi. Lève-toi pour ton ministère. Lève-toi pour l'église. Lève-toi pour ta vie. Lève-toi pour ton cœur. Lève-toi pour ton salut. Réalise ce soir que ta vie peut changer, ta vie peut changer, ta vie peut changer, ta vie peut changer. Lève-toi. 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 Pachai, chante un cantique. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Oui, Dieu vous voit. Lève-toi. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. C'est maintenant que ta vie peut changer. Retourne à ton échec. Moi, je crois qu'un petit berceau peut venir dans ton foyer. Je le crois que la paix peut venir dans ton cœur. Je le crois que Dieu peut te guérir. Et je le crois aussi que tu peux changer. Alors, je serai toi, je m'en vais lever. Lève-toi. Crois-le. Et tu verras la gloire de Dieu. Lève-toi. Maintenant, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Alléluia. Dieu vous voit. Amen, amen. Lève-toi. N'aie pas honte. Dieu vous voit. Alléluia. N'aie pas honte ce soir. Amen. Retourne à ton échec. Alléluia. Il y aura des bénédictions. Et lève-toi maintenant au nom de Jésus. T'es pris par des liens. T'as juré que t'arrêtais, mais t'as recommencé, c'est normal. Tu peux pas de toi-même. Il n'y a que lui qui peut. Alors lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta chaise. Lève-toi de ta chaise. Lève-toi. 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 J'aimerais que tous les pasteurs prient avec moi. J'aimerais que tous les engagés prient avec moi. Lève-toi de ta chaise. Dieu te voit. Sois sincère et ta vie va changer. Lève-toi, personne ne te voit, c'est Dieu qui va te voir. Si tu le fais, tu le fais pour Dieu. Alors lève-toi. Lève-toi, garçon. Lève-toi, 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 au nom du Seigneur. Tu veux pas la paix dans ta maison? Tu veux pas que les choses changent? Si c'est si compliqué pour toi, Pierre, écoute, t'as le droit d'essayer. T'as le
de droit. Alors écoute-moi, tu es libre après. Je suis élève-toi. Toi. Essaye. Retourne à ton échec. Lève-toi. Prie au Seigneur maintenant. Il y a encore des personnes qui doivent se lever. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Parce que t'as dit c'est pas vrai. Et que t'es pris par tes propres mots. Parce que t'as dit toute ta vie que les chrétiens c'est faux. Restez debout. Écoute, Dieu te pardonne pour tout ce que t'as dit. Parce qu'il t'aime. Restez un instant debout. J'invite encore des personnes à se lever. Il faut que tu te lèves au nom du Seigneur. J'aimerais que ceux qui sont debout, tous ceux qui se sont levés, lève ta main vers le ciel. C'est ton filet. Lève ta main. C'est ton filet. Et maintenant tu vas lui dire sur ta parole. Sur ta parole. Je jette mon cœur. Sur ta parole, ma vie va changer. Sur ta parole, je vais être délivré. Sur ta parole, ma vie va changer. Pour la gloire, Seigneur. Retourne à ton échec. Et laisse Dieu agir. Asseyez-vous tout doucement, on va prier le Seigneur. Amen. Vas-y, Mathieu. Alléluia. Laissez Dieu bénir. Laissez Dieu agir. C'est la présence de Dieu. Lorsqu'il vient dans une barque, les choses changent. Alléluia. Il y a une compagnie dans ta barque qui ne va pas t'emmener dans le royaume des cieux. T'as ma parole. Jésus. Non. Je te loue, Seigneur. Non. La compagnie et la direction que tu as pris, c'est direction l'enfer. Mais ce soir, tu peux faire demi-tour. Tu peux faire demi-tour. Et faire demi-tour, c'est par un pardon et une repentance. Ne t'inquiète pas, ta barque va tourner tout seul. Et elle viendra sur le chemin de Dieu. Elle viendra là où il y a la lumière. Elle fera partir les ténèbres. Dans mon cœur, je voudrais que toute l'église, même ceux qui ne sont pas chrétiens, je voudrais qu'on lève une main vers le ciel. C'est pas compliqué, une petite main. Fais-le. Je voudrais que tu fermes tes yeux parce que tu vas te voir dans la barque. Je suis pas un fou, non. Tu vas te voir dans la barque. Et le Seigneur, il est en train de te convaincre. Jette ton filet. Mais Seigneur, jette ton filet. Alors sur ta parole, restez les mains levées à travers ce cantique. Alléluia. On va prier le Seigneur. Je voudrais que tous les pasteurs se lèvent avec moi. Pendant que vous avez la main levée, nous les pasteurs, on va prier le Seigneur. J'aimerais que tous les pasteurs ont prié ensemble. Tous les pasteurs. Vas-y, Mathieu. Prie ensemble. Pour le pasteur. Oh, éternel. Tout se transforme. Oh, éternel. Car le lien vient. Prie le Seigneur. La tristesse se marche. Pour le pasteur. Que les choses vont changer pour toi.